Voilà, nous nous connectons massivement. Je profite pour peaufiner mes notes rapidement. Pendant que nos bien-aimés se connectent et que nous partageons la vidéo ensemble. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, welcome, you are welcome, you are welcome. Installez-vous bien, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous s'il vous plaît. Pendant que nous attendons nos bien-aimés, je profite aussi pour avancer un peu. Father, we bless your name. We thank you for this occasion this morning again. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà. Ce qu'elle a, let us put it like this. You are blessed. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour cette occasion solennelle que tu nous accordes encore de partager ta parole et d'étudier les Saintes Écritures en compagnie du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Seigneur, béni soit ton nom. Nous prions. Que tu nous accordes un entendement de disciples pour pouvoir aller de l'avant. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit ton partage. Que sa faveur soit avec toi. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Dieu te bénisse. On va attendre encore nos bien-aimés. Donc, s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. Envoyons des cœurs et des pouces bleus pour contrer l'action des ennemis. Ok. Okay.
Ok. Ah, c'est mieux comme ça. Que le Seigneur te bénisse encore au nom souverain de Jésus. Hier, nous avons commencé sur un thème que je vais clôturer aujourd'hui. Mais avant, il faudrait que chacun de nous puisse savoir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons l'atmosphère de miracle ce soir. Donc, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, ne manquez surtout pas ce soir. Nous avons atmosphère de miracle. Ce sera un moment extraordinaire, un moment de visitation divine. Nous sommes dans le mois de la prophétie. Donc, vous êtes massivement invités à ce programme. Et pendant que vous venez, que la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent exauce vos prières. Tous ceux qui viendront ce soir avec leur sujet de prière, que Dieu vous exauce, que le Seigneur vous accorde au-delà de ce que vous demandez. Que sa bonne main et sa puissance soient sur vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa longanimité. Et je bénis déjà Dieu pour tous ceux qui seront présents ce soir. Pour tous ceux qui prendront la peine d'être là. Je sais qu'ils ne seront point dans la confusion. Et que Dieu t'exauce avant même de quitter ta maison. Pour amorcer le miracle que Dieu t'exauce. Et nous sommes en train de préparer 3 grands cultes de plaintes pendant ce mois d'octobre. Nous avons le 24 à Berthois. Déjà dimanche le 17, je serai à Berthois, à Beaumont, à partir de 16h. Donc toute la ville de Berthois doit être présente. Et dimanche le 24 à Berthois toujours, nous aurons le culte des plaintes à l'Éternel. Dans le premier culte des plaintes, cette année, l'honneur a été donné à la ville de Berthois. Donc chers habitants de Berthois, mobilisons-nous comme nous avons l'habitude de le faire. Et ce sera à Beaumont, donc sur la route de Bélabo, après la deuxième barrière de police. Pendant que tu y viens, que Dieu t'exauce, au nom de Jésus. L'autre culte de plainte se tiendra, les deux autres, ce sera à Yaoundé le 31, à 7h30 et à Douala le 31 à partir de 16h. Vous savez déjà que les cultes de plainte, on a les formats oint qui vous sont remis, on a les bouteilles d'eau oint avec démonstration de la puissance de Dieu. Et je vais mettre l'accent là-dessus pour apporter la délivrance et la restauration. On a l'huile de faveur par famille pour apporter... pour nous consacrer à l'Éternel, notre Dieu, et renouveler notre consécration à Dieu. Et nous avons les stylos oint qui seront disponibles pour ce grand culte-là. C'est 3 grands cultes et Dieu va se manifester avec puissance. C'est le mois, la célébration du don de la prophétie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent te soit abondamment donnée au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir, atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle à la Bire, en Kouaban. Quand vous arrivez en Kouaban, au carrefour Kouaban, demandez qu'on vous amène juste à la Bire. On vous amènera. Et vous ne serez point déçus. Il y aura beaucoup de délivrance ce soir. Et je sais que Dieu touchera la vie de quelqu'un. Alors, je voudrais déjà dire pour ceux qui ont été... qui sont sentis concernés par mon direct d'hier. Je parle des hommes de Dieu et qui sont fâchés. Il faut comprendre qu'en réalité, le but de mon émission, ce n'est pas de provoquer quelqu'un, mais j'étale ce qui est biblique et ce qui est d'après le bon sens. Voilà. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas une histoire personnelle avec quelqu'un. Si vous avez des problèmes dans votre couple en tant qu'homme de Dieu ou en tant que frère en Christ, au lieu de mal prendre des choses que j'expose ici, il est important plutôt de demander à Dieu la grâce d'arranger vos difficultés dans votre foyer. Donc je veux parler aujourd'hui encore de la condition de la femme, pas seulement de la femme, parce que je veux parler aujourd'hui de l'homme de Dieu et sa famille. L'homme de Dieu et sa famille. Vous voyez, on va voir ensemble c'est quoi la famille, la notion de la famille chez un homme de Dieu. Parce que, vous savez, bien aimé, le ministère, quand vous regardez le ministère, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le ministère et même parfois qui ont été appelées de manière authentique par Dieu, mais qui sont en train de battre de l'aile et sont frustrées dans le ministère et se disent que non, Dieu ne m'a pas appelé ou c'est quoi? Ou il y a des forteresses, des entités maléfiques qui m'empêchent de briller dans le ministère ou bien de réussir. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne respectent pas certaines lois. Il y a des lois fondamentales qui sont directement rattachées à ton ministère. Par exemple, ta relation avec ta famille. C'est très important. Il faut le savoir. Ta relation avec ta famille, elle agit, c'est-à-dire qu'elle influence directement
ton ministère. Vous ne pouvez pas séparer ni changer ces choses-là. Donc nous avons la grande retraite sur le mont Kolafamba en fin d'année, en décembre. Et nous avons l'Exodus Night en décembre, sur le 31 décembre. Ce sera la bire de la date, je pense, de la retraite des aigles. Le pèlerinage de cette année vous sera communiqué demain, s'il plaît à Dieu. Donc préparons-nous déjà. À partir de maintenant, les badges seront déjà disponibles d'ici dimanche prochain, la semaine prochaine dans tous les cas, pour tous ceux qui veulent aller en pèlerinage, ceux qui nous suivent à l'étranger, qui veulent aller en pèlerinage. Alors, bien-aimés, nous voulons inculquer en vous la culture de chercher Dieu. Voilà, si vous n'êtes jamais allé au sommet d'une montagne pour chercher Dieu, cette année, faites l'expérience avec nous. Nous aurons 4 à 5 jours au sommet d'une montagne retirée pour pouvoir prier et chercher la face de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Je vous reviens dans un instant, s'il vous plaît. Un instant. Ok. Il n'y a pas de volume. Mets un peu l'abonné à la télé. Le volant à la télé. J'ai dit, mets le volume. Mets le volume là-bas. Ok. Bien. On va. Rasput. Mike, back. Elle dit qu'il n'y a pas de volume. Hein? Ok, là je mets deux micros. Je veux mettre deux micros, s'il vous plaît. Je mets deux micros pour qu'il n'y ait même pas de tentative de manque de volume. Bien. Je peux mettre deux, non? Excusez. Ok. Bien, là c'est bon, je pense, on peut y aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le volume, ça va? Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Donc, alors ce matin, nous allons parler de l'homme de Dieu et la famille. Et quand je parle l'homme de Dieu et sa famille, ça concerne aussi toute autre personne qui a une famille. Vous voyez? Lorsqu'on parle de famille, nous parlons de famille, nous parlons... C'est-à-dire que du noyau familial, le père, la mère et les enfants. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Voilà, on va parler de l'homme de Dieu et la famille. Et donc, j'étais en train d'expliquer que beaucoup d'hommes de Dieu, en faisant le ministère, ont négligé leur famille, ont abandonné leur famille, ont laissé pourrir leur famille, et parce qu'ils étaient tellement concentrés dans le ministère. Le temps qu'ils se rendent compte, leur foyer a été détruit. Voyez, beaucoup d'hommes de Dieu sont parvenus au divorce, à cause du ministère, parce que le ministère est glouton, le ministère est insatiable, vous voyez. Le ministère est très insatiable. C'est à nous, en tant qu'hommes de Dieu, de savoir comment arranger les choses. C'est à nous de savoir comment ordonnancer les choses autour de nous pour que le ministère ne détruise pas nos foyers, vous voyez. Donc, je me souviens que moi-même, avant que Momi ne retourne au Seigneur, parfois, elle me disait que mon mari, vraiment, je préférais encore au tout début, où le ministère était petit, qu'à maintenant, ou lorsqu'on était fiancés. Parce que quand on était fiancés, là, on avait tout le moment, tout le temps ensemble. Mais cependant, depuis que le ministère a grandi,
On n'a plus tellement de temps ensemble. On ne peut plus marcher en route ensemble. Et ça, c'était les inconvénients du ministère. Ça veut dire que je ne pouvais pas, on ne pouvait plus sortir en route. Et je me souviens que les dernières fois que je suis allé au marché, la dernière fois que je suis allé dans un marché public, c'était à Douala. C'était à Douala. Je suis arrivé là-bas, mais c'était mauvais. C'est les gens qui allaient dire qu'il est là, le prophète Ferdinand est là. Et puis, les gens se mettaient à genoux là, ça fait un embouteillage. Et à moins, on me déchirait même les vêtements dessus. Donc, depuis ce temps, je n'ai plus jamais mis mes pieds dans un marché public. Ça veut dire qu'avant Douala, c'était à Mokolo. J'étais allé à Mokolo. J'ai dit, OK, je veux quand même aller à Mokolo pour me détendre aussi. Et je ne sais pas qui j'avais accompagné. Et ça fait les dégâts là-bas. Je ne suis plus jamais allé au marché. Donc, vous voyez, et elle m'a dit que ces choses-là lui manquaient. Le temps de marcher en route, aller s'asseoir sur un banc public, et puis voilà. Donc, c'est ça un peu le ministère. Et les voyages, ça fait que, il faut faire attention. Mais cependant, nous, on s'était arrangé. On avait trouvé une solution efficace. Ça veut dire que nous ne recevions personne de l'église à la maison. Les affaires de l'église commençaient à l'église et s'achevaient à l'église. Et à la maison, c'était la famille. Donc, quand j'étais à la maison, supposons que lundi, mardi, mercredi, jeudi, je n'ai pas de culte, je suis à la maison avec elle et avec l'enfant. Ça veut dire que nous nous épanouissons, on est entre nous, on peut s'amuser, on peut plaisanter. Elle est sur moi, je suis sur elle, couché sur elle. Dans tous les cas, nous passions des moments de qualité. Dans le peu de temps que le ministère m'accordait, alors je le consacrais à ma famille. C'était très important. Mais cependant, il faut comprendre que la gestion du ministère, tous les hommes de Dieu ne la maîtrisent pas. Et il y a des problèmes dans le foyer. Et ça fait en sorte que parfois, un homme de Dieu il doit aller faire culte. Et puis c'est en ce moment que sa femme a besoin de lui. Nous, quand on était au séminaire de théologie des assemblées de Dieu à l'époque, on nous a dit, notre enseignant nous a dit que, si, supposons que tu vas aller prêcher et que tu es déjà vêtu, tu as mis la cravate, tout. Tu veux déjà descendre. Et puis ta femme vient, elle te dit, chérie, j'ai envie de toi. Il nous a dit que tu m'enlèves la cravate là, tu jettes ça, on fait quoi avec? Enlève ça vite, oh! Enlève ça. Va prendre soin de ta femme. C'est le premier ministère que Dieu t'a donné. Rends-lui ministère. Maintenant, quand tu iras, Dieu confirmera ton ministère par des signes et des prodiges à l'église. Donc, tu ne dois pas dire à ton épouse que non, vraiment, tu es trop charnel. Maintenant, je vais aller rendre ministère. Tu vois, non. Parce qu'en réalité, la première brebis d'un homme de Dieu, c'est sa femme. La première brebis d'un homme de Dieu, c'est sa femme. Et la première église d'un homme de Dieu, c'est sa famille. C'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, voilà pourquoi nous avons instauré, Momi et moi, à l'époque, la discipline de refuser de recevoir les gens à la maison. Parce que les brebis sont ingrates. Il faut que les gens comprennent cela. Les brebis sont très, très ingrates. Elles sont très ingrates. Ça veut dire que les gens sont même prêts à ce qu'on finisse le culte à l'église, on revient faire le culte dans la maison du pasteur. Ils sont peu, les chrétiens, qui peuvent réfléchir en disant que non, notre pasteur a rendu ministère, il est fatigué. Ne lui rendons pas visite, n'allons pas chez lui, ou lundi ne l'appelons pas. Laissons-lui le temps de se reposer. La plupart des chrétiens, si vous êtes un homme de Dieu qui se laisse aller, viendront encore prendre en otage votre maison. Ça fait que le peu de temps que vous devriez avoir avec votre femme et vos enfants, vous n'aurez plus ce temps-là. Ouais. Et c'est là que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas compris. Ils ont commencé le ministère à l'église et ils achètent le ministère dans leur maison. Un homme de Dieu ne doit pas recevoir les brebis chez lui. Ta maison, mon ami, c'est ton domaine, c'est ton agiote. Ça veut dire que c'est ton jardin privé. Tu ne dois pas apporter le désordre dans ta vie et dans ta maison. Non, ta maison, c'est ta femme, c'est ton sanctuaire personnel. Les affaires de l'église devraient commencer à l'église et s'arrêter à l'église. Et les brebis devraient arrêter de poursuivre les hommes de Dieu jusqu'à chez eux. C'est un esprit d'irresponsabilité. C'est un esprit d'irresponsabilité. Il faut savoir que, comme tu as ta famille là, après le culte, tu vas recevoir ta famille. Peut-être vous vous sortez pour aller prendre un plat dans un restaurant. Sache que ton pasteur, lui aussi, c'est un homme comme toi. Il a des responsabilités familiales et l'Église doit comprendre cela. Il faut que les gens apprennent à se dire que non, vraiment l'homme de Dieu a rendu ce ministère hier. Dimanche, c'était une journée très chargée pour lui. Ce lundi, je ne peux pas l'appeler. Je lui laisse la journée pour se reposer. Mais les gens ne réfléchissent pas comme ça. Parfois, après le culte même, les gens commencent à. Ton téléphone commence à crépiter. C'est les personnes qui viennent d'écouter l'évangile, qui étaient à l'église même, pour qui même tu as imposé les mains, mais qui veulent encore te poser un autre problème.
L'insatiabilité et l'ingratitude sont en fait le problème fondamental du ministère. Les brebis sont de plus en plus irresponsables. Or, les brebis devaient protéger leur berger. À défaut, le berger doit se protéger lui-même. Si tu te rends compte qu'il y a violation de domicile, mon ami, tu dois sortir des lois strictes. C'est pour ça que si je sors et trouve quelqu'un devant ma barrière, mon ami, je donne rendez-vous à l'église. Pourquoi? Parce que si tu donnes à une personne la latitude de venir, elle va dire que moi, on m'avait reçu. Et ça va devenir une file indienne. On dira que, ah, mais celui prie sur les gens. Et là, ça va causer des problèmes et apporter un désordre dans ton foyer. Et quand vous allez divorcer, sache que c'est les mêmes personnes qui risquent d'insulter, les mêmes personnes qui vont aller dire, ah, c'est un pasteur divorcé, où il méprisait sa famille, il ne prenait pas le temps pour sa famille. Pourtant, ce sont eux qui volaient ce temps que tu n'as pas pu donner à ta femme ou bien à tes enfants. Donc, c'est important. Donc, vous, les brebis, chers amis, apprenez à honorer vos pasteurs et à leur donner du temps. Ils ont besoin du temps pour eux et pour leur famille. Ça dit que ne phagocytez pas, ne dévorez pas par phagocytose ou par pinocytose le peu de temps qu'ils ont pour leur famille et pour leurs enfants. Ils ont aussi besoin d'amour, de donner de l'amour à leur femme, d'embrasser leur femme, d'embrasser leurs enfants, de jouer avec leurs enfants, etc. pour pouvoir être épanouis, eux aussi en tant qu'êtres humains. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Lorsque nous lisons, par exemple, la Bible dans 1 Timothée chapitre 13, l'apôtre Paul parle des choses très importantes. Il parle des choses très importantes. Je vais essayer de lire en grec et expliquer en français pour que tu comprennes bien. Il dit « Ho pistos, ho logos, eistis episcopes, eregetai, kalu ergu epitumei. » Voilà, c'est le verset 1 qui ne m'intéresse pas. On va aller au verset 2. Il dit « Dei un ton episcopon. » Alors, l'évêque anepilem vraiment le grec est terrible. Anepilemton einai. Alors, l'évêque doit être sans reproche. L'évêque doit être sans reproche. Il faut dire que quand on dit épiscopon, qui a donné en français l'évêque, épiscopon veut dire quelqu'un qui surveille plusieurs églises. C'est ça un évêque en réalité en grec. C'est celui qui surveille plusieurs églises, qui supervise plusieurs églises. Donc, il dit que l'évêque doit être anepilemton. C'est-à-dire qu'un épilemton, c'est que c'est cet élément, c'est-à-dire qu'ils ont mis un pi, ils ont mis un iota, ils ont mis un lambda, ils ont mis un nu, ils ont mis un mu et un pi. Donc ça fait que l'association de toutes ces voyelles et consonnes, c'est un peu compliqué en France, en grec. Ouais, quand il y a le pi, l'iota, lambda, nu et mu. Surtout le nu et le mu. Lambda, nu, mu. Ça fait lem. Ouais. Et puis à pi. Lambda, nu, mu, pi. Ça fait lempt. Ouais. Lempt. Voilà. Lempton. Donc il dit que en fait, l'évêque doit être irréprochable. Et il dit Mias gunaikos andra, mari d'une seule femme. Néphalion, sobre, sophana, il doit se contrôler lui-même. Voilà, c'est très important. Ça, ce sont des valeurs qui peuvent nous aider à mieux diriger nos familles en tant qu'homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être d'abord irréprochable. Et cette irréprochabilité doit commencer dans ta propre maison. C'est ce que l'apôtre Paul enseignait aux pasteurs de l'époque. Dans ta propre maison, ça veut dire que ta femme ne dois pas se plaindre de toi, tes enfants ne doivent pas se plaindre de toi, tu dois bien te conduire devant ta femme et devant tes enfants. Tu dois être mari d'une seule femme, tu dois être sobre, voilà, c'est-à-dire modéré, et tu dois te contrôler. Beaucoup d'hommes de Dieu dans leur foyer ne savent pas ce qu'on appelle le self-control, qu'on appelle sophrana, hein? Sophrona en grec, sophrona. Sophrona, c'est une personne qui est maître d'elle-même, une personne qui se contrôle. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a des dérives dans plusieurs foyers pastoraux. Pourquoi? Parce qu'il y a des foyers où si un homme de Dieu ne se contrôle pas, automatiquement, il va fouetter sa femme. C'est une dérive.
C'est une apostasie, c'est une hérésie, c'est une infamie. C'est une hérésie, c'est une infamie. Un homme de Dieu ne doit pas frapper sur sa femme. Non. Mais ça arrive lorsqu'il n'y a pas le sophrona. Ça veut dire que le self-control. Lorsqu'un prophète n'a pas la maîtrise de soi, c'est dangereux. Et beaucoup d'hommes de Dieu, leurs églises sont détruites à cause du manque du sophrona, du self-control. C'est pour ça que tu verras un homme de Dieu en public, il pète les plombs, il pète un câble. C'est fini. Et les gens se demandent, mais attends, si l'homme de Dieu se conduit comme ça, c'est dangereux. Hein? L'homme de Dieu pique une crise de colère à l'église. Ça dit, perd le contrôle, il insulte quelqu'un, il se met à maudire les gens. Il se met à méditer d'un prophète, d'un autre homme de Dieu. Ça veut dire que tu sens la haine. Ça, c'est un manque de contrôle personnel, d'autocontrôle. Et ça, ça posera un sérieux problème à tout homme de Dieu, que ce soit au niveau de l'église ou bien au niveau de la famille. Un homme de Dieu qui n'a pas le sophrona, ce sera un homme de Dieu que si sa femme commet une erreur, alors il va répondre à la colère, pas à la colère, ou bien à l'erreur de son épouse ou de ses enfants, pas à la colère. Et puis, il va sauter sur l'enfant et il va devenir un Ben Laden dans sa famille. Il deviendra un terroriste au niveau de sa famille. Donc, c'est dangereux lorsqu'un homme de Dieu n'a pas le sophrona, lorsqu'il n'a pas le contrôle de soi. C'est très important. Le self-control est importantissime à la fois pour ta maison et pour l'église. Un homme de Dieu qui ne se contrôle pas, un homme de Dieu qui ne contrôle pas sa colère, qui ne contrôle pas ses émotions, alors son ministère explosera toujours parce qu'il va commettre des gaffes. Les brebis n'ont pas besoin de ça. Les gens seront frustrés. Tu vas dire des mots aux gens qui vont les frustrer. Tu vas avoir tendance de parler aux gens comme si c'était des animaux ou bien comme si c'était des enfants ou bien comme si c'était ta propriété privée. Alors, il faut savoir que les gens que Dieu nous a échus en partage à l'église ne sont pas notre propriété privée. Ça veut dire que ce n'est pas la dictature. Tu n'as pas le droit de prendre autorité sur ces personnes, de les dominer. Tu n'as pas le droit d'aliéner leur conscience parce que tu es un homme de Dieu. Non, tu n'as pas le droit de parler aux gens sans respect. Tu n'as pas le droit de traiter les gens comme des vauriens parce que tu ne sais pas comment la personne l'a fait pour venir dans ton église. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Donc, ce manque de sophrona a fait en sorte que beaucoup d'hommes de Dieu, leur ministère, ont été détruits. Les gens fuient. On dit que non, l'homme là, il est trop colériste, il est sauvage. C'est un homme de Dieu très sauvage. Il ne contrôle pas ses paroles. C'est un homme de Dieu sans vergogne, vous voyez. Voilà pourquoi il faut comprendre que la seule façon de pouvoir avoir le sophrona, c'est le néphalion. Le néphalion qui est la sobriété, vous voyez. Le néphalion te permet d'avoir le sophrona. Le néphalion, c'est quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui est modéré, quelqu'un qui a de la vergogne et de la retenue dans sa manière de se comporter sur le plan comportemental. Vous voyez, sur le plan caractériel, c'est une personne qui a la sagesse, qui a la maturité. C'est pour ça que le ministère n'est pas pour les enfants, c'est pour les matures. Vous voyez. Et c'est aussi pour cela que vous remarquerez que parfois, il y a des hommes de Dieu qui, n'ayant pas le sophrona, ni le néphalion, prennent le pupitre pour insulter les gens ou résoudre les problèmes. La Bible n'est pas une arme contre quelqu'un. La Bible n'est pas une arme pour prêcher contre quelqu'un. Il y a des hommes de Dieu qui, quand ils prennent le culte dimanche, là, les brebis, les dents des brebis sont en train de s'entrecoincer, s'entrechoquer. Pourquoi? Parce que le gars, comme tu lui as mal parlé hier, il va prendre ton thème, le thème du message, ceux qui parlent mal à leur berger. Ouais, ils sont maudits. Ouais. Donc, c'est un manque de sophrona et c'est un problème. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas la science du ministère et ses lois simples dans le ministère. Si quelqu'un t'a refusé l'argent, tu as demandé un prêt, il t'a refusé, tu ne peux pas venir prendre la Bible pour maudire la personne. Et dit à la personne, dit que vraiment le thème de ce message sera très puissant ce matin. Ceux qui refusent de prêter l'argent à le pasteur, voilà, ils sont dans les problèmes. Et tu descends la personne sent que c'est d'elle que tu es en train de parler. Ouais, un homme de Dieu qui a la maîtrise, qui a le sophrona, vraiment, même s'il a un problème avec toi, il va prêcher son message comme si de rien n'était. Tu n'es pas assez important pour qu'il vienne détourner tout un programme divin pour son peuple à cause d'un individu. Donc, ça c'est très important de le savoir. Et l'apôtre Paul continue en disant, mais paroinon, qu'il ne soit point adonné au vin, mais paroinon, et laissez-moi vous montrer quelque chose ici, mais paroinon, qu'il ne soit pas adonné au vin, qu'il ne soit pas adonné au vin. Maintenant, il y a des gens, qui ont dit que bon, ça veut dire que paroinon, mais paroinon, ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup boire, il faut boire un peu, mais tu ne bois pas beaucoup. Lorsque vous regardez dans l'étymologie grecque,
et la philologie. Parce que je parle de l'étymologie, c'est-à-dire qu'on parle de l'étymologie ici, je parle de la polysémie. Je parle de la polysémie et de la philologie. Sur le plan purement polysémique, c'est-à-dire dénotatif et connotatif, poroinon signifie maître du temps. Hein? Maître passé du temps avec le vin. C'est ce que poroinon veut dire. C'est maître du temps avec le vin. Poroinon ne veut pas dire abuser du vin. C'est-à-dire que boire un peu, pas beaucoup. Goûter juste un peu, mais pas beaucoup. Non. Poroinon veut dire, c'est-à-dire que vient d'un verbe, d'un autre mot, poroinios, qui était formé de deux vocables, para, qui voulait dire voir, et oinos, qui voulait dire passer du temps, passer un long moment avec quelque chose. Donc maintenant, sur le plan dénotatif, c'est-à-dire sur le plan philologique, la philologie, c'est la science, la partie linguistique qui étudie l'histoire des mots, ce mot a évolué et les gens, il a une autre interprétation sur le plan connotatif et non pas dénotatif. Et cette interprétation, c'est quoi? C'est celle qui est devenue secondaire, selon laquelle on pourrait dire que paroinon, plus tard, les gens l'ont traduit par être soûlard ou bien ivrogne. C'est-à-dire que les gens s'étant donné un autre second sens, c'est-à-dire que ça veut dire que être quelqu'un abusé du vin, abusé de l'alcool, vous verrez ça dans Tite 1, verset 7, ou 1 Timothée 3, verset 3. Donc, vous voyez que dans le passage ici, le mot, dans sa dénotation, voulait dire passer un long moment à boire. Vous voyez? Donc, ça ne voulait pas dire abuser du vin, mais plus tard, sur le plan secondaire, et les gens ont ajouté cette définition à ce mot, paroinon. Il dit, mais paroinon, donc qu'il ne soit pas quelqu'un qui perde son temps avec le vin. Mais kleptène. Allah est pays qu'est, mais qu'il soit gentil. Amakon, paisible. Afilargouron, quelqu'un qui n'aime pas l'amour. L'amour, qui n'a pas l'amour de l'argent. Parce que A veut dire, A, c'est la négation en grec. A, c'est un préfixe en fait. A, c'est le préfixe qui marque la négation en grec. Et on a phila, qui vient de philo, ou philei, qui veut dire l'amour ou bien aimer. Voilà. Et on a gouron, l'argent. Donc, il doit être quelqu'un qui n'aime pas l'argent, qui n'a pas l'amour de l'argent. Donc, voilà, c'est important de le savoir. Maintenant, Afilargon. Lorsqu'on parle de l'amour de l'argent ici, en tant qu'homme de Dieu, vous savez, Afilargouron, lorsqu'on dit que quelqu'un n'a pas encore ce don d'Afilargouron, c'est dangereux. Un homme de Dieu doit comprendre que dans sa maison, son argent, c'est pour sa famille. Ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour sa famille. C'est pour sa femme, c'est pour ses enfants, c'est pour lui-même. Tout le monde a droit à l'argent, au bien de la famille. C'est là qu'on dira qu'il est Afilargouron. Mais lorsque un homme de Dieu n'est pas Afilargouron, sa femme pour qu'elle voit son argent, c'est le problème. Ses enfants pour qu'ils voient son argent, c'est le problème. Je n'ai jamais compris comment un homme marié, tu as les moyens, ta femme est malade, tu ne peux pas l'amener à l'hôpital. Ou tes enfants sont malades, tu ne peux pas les amener à l'hôpital. C'est dangereux. Bien-aimé, c'est dangereux. Il faut être Afilargouron. Ça veut dire qu'il faut pas s'attacher à l'argent plus qu'à ta famille. L'argent que Dieu te donne, c'est pour rendre heureuse ta famille. Et j'ai toujours dit ceci, un vrai homme vit pour sa famille. Je vis pour Dieu et je vis pour ma famille. C'est important. Je vis pour Dieu et je vis ensuite pour ma famille. Donc tout ce que je possède devrait être pour le bonheur de ma famille. Mais il y a malheureusement des femmes, d'hommes de Dieu qui... Même la ration, le monsieur ne donne pas. Il te punit. Il te donne pas l'argent, la ration. Hein. Il ne t'achète pas, tu saignes, il ne t'achète pas les Fetex, il ne t'achète pas de vêtements ni de sous-vêtements. D'ailleurs, il ne connaît même pas la pointure de tes sous-vêtements. Et c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. Et là où nous sommes intéressés ce matin, il dit tout idiot, oïku, kalos, proistaménon.
sa propre maison, il doit bien la gérer. Il doit bien la manager. Proistamenon veut dire manager, manager, diriger. Il doit diriger bien sa propre maison. Et c'est là que ça devient intéressant. Et il faut comprendre que quand on parle de proistémie, en grec, ça veut dire gouverner. Il doit bien gouverner sa maison. Il doit gouverner sa maison. Ça veut aussi dire présider. Il doit bien présider à sa maison. Présider sa maison. Et il faut aussi dire que proistémie en grec signifie en français donner de l'attention. Donner beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Donc un homme de Dieu, un homme marié doit donner beaucoup d'attention à sa famille. C'est ce que Paul dit à Timothée dans proistémie. Proistémie veut dire que toute ton attention est sur ta famille. Tu es hyper sensible. Sensible aux problèmes de ta maison, aux problèmes de ta famille. C'est important de le savoir. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas sensible aux problèmes de sa maison, il n'est pas en train de faire bien l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne peut pas être content de ces personnes. Et proistémie en grec voudrait aussi dire maintenir. Et tu dois maintenir l'équilibre dans ta famille. Un homme de Dieu doit maintenir l'équilibre dans sa propre pratique, de sa propre famille. Il faut dire que proistémie veut aussi dire être diligent vis-à-vis de sa famille. Donc, c'est important de savoir. Voilà le caractère que chaque homme de Dieu devrait avoir vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Si nous n'avons pas cela, ça veut dire que quelque part, quelque chose n'est pas en train de marcher. Et il continue en disant, « Tegna e conta en upatage » et il doit avoir ou bien maintenir dans la soumission ses enfants. Voyez, « Tegna » veut dire « enfant ». Il dit, il doit maintenir dans la soumission ses enfants. Il dit, tegna e conta en upatage. En upatage. Il doit maintenir ses enfants dans la soumission. Meta passes. Il doit les maintenir dans la soumission. Upatage veut dire la soumission, la subjection. Ouais. C'est la subjection. C'est-à-dire que soumettre, et il faut dire que upatage veut dire soumettre la subjugation. La subjugation, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens méoratif. Vous voyez. Et upatage, en grec, signifie aussi dans l'obéissance, tout simplement, si vous voulez, pour ne pas compliquer les mots. Donc, il doit maintenir ses enfants dans l'obéissance. Or, on maintient les enfants dans l'obéissance par l'amour, et non pas par la dictature, et non pas par la violence. Parce que nous tous, nous savons que la violence ne résout aucun problème et n'a jamais apporté la paix nulle part. Au contraire, la violence entraîne toujours la révolte. Voilà. Il dit, tegna e conta en upatage, meta passes sem motetos. Et il dit, en toute dignité. Ça, c'est important. En toute dignité. En toute dignité. Sem notes. Sem notes veut dire la dignité, l'honneur. Il doit gérer sa maison, aimer sa femme, mener ses enfants à l'obéissance avec honneur, pas avec dictature. Non. Avec semnotes. Semnotes veut dire avec honneur. C'est-à-dire que même l'enfant est content d'obéir à son père. Parce qu'il est aimé. Si ton enfant se sent aimé, il ne peut pas être rebelle. Si ton épouse se sent aimée, mon ami, elle est prête à décrocher le ciel pour toi. Mais beaucoup de nos épouses, bon, de vos épouses, sont frustrées. Frustrées. Pourquoi? Parce que nous ne nous conduisons pas, ou vous ne vous conduisez pas, moi je suis plus marié. Vous ne vous conduisez pas avec honneur. Vous ne vous conduisez pas avec honneur vis-à-vis d'elle. Et c'est aussi pour cela qu'elle ne vous offre pas le meilleur d'elle et que vous ne tirez pas le meilleur de vos enfants. C'est un problème sérieux. Vous voyez. Il dit de se comporter, d'aimer sa femme, d'honorer sa femme, d'aimer ses enfants et de les conduire à l'obéissance avec honneur, c'est-à-dire en les honorant. J'honore ma femme, c'est ça, c'est mon hôtesse. J'honore mes enfants, et ils se sentent aimés, je plaisante avec eux, je blague avec eux. Or, il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais joué avec leurs enfants. Ils ne jouent jamais avec les enfants. Ils n'ont pas le temps de causer avec les enfants, de plaisanter avec les enfants, de sortir leurs enfants, se promener, les amener au restaurant. Ces bonnes habitudes-là, ces bonnes habitudes n'existent pas dans la vie de plusieurs hommes de Dieu, parce qu'ils sont tellement occupés à aller évangéliser, à aller faire le programme à l'église, etc. Et c'est une grave erreur. Donc, chers hommes de Dieu, si vous écoutez cette émission, s'il vous plaît, prenez du temps avec vos enfants, avec votre épouse, et il faut semnotes. C'est-à-dire qu'il faut les amener à l'obéissance dans l'honneur. Il faut honorer. Et semnotes veut dire la dignité. Vous voyez, semnotes veut dire la dignité. Donc, donnez la dignité à votre femme, donnez la dignité à vos enfants, donnez l'honneur à votre femme et donnez l'honneur
à vos enfants. Il faut dire en fait que ce notes en grec signifie le sérieux. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux vis-à-vis de votre épouse et sérieux vis-à-vis de vos enfants. Il faut être sérieux vis-à-vis de votre famille parce que c'est une grande responsabilité et Dieu note votre ministère à partir de votre maison. Vous voyez? Donc, il dit qu'il faut prendre soin de nos enfants et de notre épouse et maintenir nos enfants dans l'obéissance, mais pas par la violence, mais par l'amour, l'honneur, le sérieux et la dignité, etc. Maintenant, il continue en disant quelque chose de très grave encore. Il dit « Eyi detis, tu idio, oiku, prostenai, uk oiden. Si, car, s'il ne peut pas bien gouverner sa propre maison, pos ecclesias teu epimelesetai, comment va-t-il diriger? Comment va-t-il prendre soin de la maison de Dieu, de l'église de Dieu? Pos ecclesias teu epimelesetai, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voyez. De l'apôtre Paul dit Ei detis tu idiou oiku prostenai uk oiden. S'il ne connaît pas, oiden veut dire connaître, s'il ne connaît pas gouverner sa propre maison, il dit pos ecclesias teu epimelesetai, comment va-t-il prendre soin de la maison de Dieu? Donc, pour dire quoi? En fait, pour Dieu, un homme de Dieu qui ne peut pas prendre soin de sa propre maison, ne peut pas prendre soin de la maison de Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu veut tout simplement expliquer que, homme de Dieu, prends soin bien de ta maison et je saurai que tu peux bien prendre soin de ma maison. Et c'est tout à fait un raisonnement normal. Donc, il faut prendre soin. Or, nous, vous devez comprendre une chose. Les mots utilisés pour la maison de l'homme de Dieu et pour la maison de Dieu, c'est deux mots différents. C'est deux mots différents et ça, le grec le fait sciemment pour nous enseigner quelque chose. Il parle pour ta maison. Il dit, « Ei detis tu, idio, oiku, prostenai. » Si tu ne peux pas gouverner ta propre maison, prostenai, proistemi, veut dire gouverner, prêter attention, maintenir dans la paix, ça veut dire diriger diligemment. Si tu ne peux pas donc gouverner ta propre maison, comment vas-tu épimélesetai, la maison de Dieu? Épimélesetai, ça c'est l'infinitif, veut dire quoi? Prendre soin. C'est-à-dire se déplacer pour aller prendre soin de quelque chose. Or, pour ta maison, tu gouvernes ta maison avec diligence et honneur. Avant de te déplacer, aller prendre soin de la maison de Dieu, avant d'aller épimélesetai, la maison de Dieu. Donc, le succès d'un homme de Dieu dépend de son succès dans sa propre maison. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ne réussissent pas dans le ministère parce qu'en vie, vis-à-vis de leur maison, ils sont méchants. Quand tu insultes ta femme, tu lui parles comme si elle était moindre que rien. Tu l'insultes, tu lui manques de respect, tu lui donnes des paroles blessantes. Et quand elle veut aussi se justifier, tu la prives d'argent, tu la prives de vêtements, tu la prives de nourriture. Tu la maltraites. Ne sais-tu pas que Dieu est en train de te voir? Ou tu ne prends pas soin de tes enfants, de ta famille? Mais c'est dehors que tu es fort. Maintenant, laissez-moi vous donner les 5 signes qui montrent que vous ne prenez pas soin de votre maison. Premièrement, homme de Dieu, écoute-moi bien. Écoute-moi. Ne vous fâchez pas. Vraiment. Ne vous fâchez pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont fâchés maintenant. Ou bien qui ont zappé même. Ou qui disent à leur femme de ne pas écouter ça. Non. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, il est important pour nous de partager sur ces choses. Soyez assez humbles pour écouter. Laissez Dieu guérir votre maison. Laissez Dieu briser votre orgueil, votre mégalomanie, votre altruisme. Laissez Dieu apporter la paix dans votre maison, s'il vous plaît. Ne me jugez pas, ne me condamnez pas. Ça ne sert à rien. Quelqu'un dit que le bouton du palier est sorti sur mes lèvres. Oui, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de parler. Même si c'était dit sur mes lèvres, j'allais faire l'émission. Donc, vous voyez, la première chose, comment savoir, pour un homme de Dieu, quel est le baromètre qui te permettra de savoir que tu es en train de négliger ta maison, que tu ne prends pas bien soin de ta maison, en tant qu'homme de Dieu, bien en tant que mari, ces lois sont aussi efficaces pour toute autre personne mariée.
Premièrement, la perte du désir des rapports sexuels avec ton épouse. Ça, je parle des hommes de Dieu, hein. On va prendre le dossier des femmes après. Voilà. Donc, c'est ça. La perte de désir des rapports sexuels. Quand tu ne désires plus ta femme, c'est un signe très fort. C'est une alerte très forte. Quand tu es un homme de Dieu, tu ne désires plus ta femme, hein. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu ne la désires plus. La nuit, elle est là, elle fait tout devant toi, elle se déshabille même. Elle marche en robe de nuit, vraiment nuisette. Et tout ça, papy, tout le magnifique ne réagit pas, il ne tousse même pas, il n'éternue pas, il ne rucle pas. Mon ami, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ton foyer est en train d'être détruit. Satan est en train de s'installer dans ton foyer. Un homme de Dieu doit désirer sa femme, plus que tout. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à désirer ton épouse à la maison, mais dehors quand tu sors, à peine tu vois une ressortissante de Sodome et Gomorrhe traverser la route que déjà ton pantalon commence à lancer des voix chevrotantes, il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas désirer une femme dehors plus que ta femme. Non, non, non. Si tu ne désires plus ta femme, mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu es en train de négliger dans ta maison. Ta maison est en train de mourir petit à petit. Deuxième signe que ton foyer est en train de finir, que tu es en train de négliger ta maison en tant qu'homme de Dieu, mais en tant qu'homme marié, lorsque tu es plus à l'aise dehors que chez toi, il y a un problème. Ça ne va pas. Lorsque quand tu sors, tu as dit que tes sorties sont éternelles. Elles sont à perpète. Tes sorties, elles sont pérennes. C'est-à-dire quand tu sors, tu n'as plus envie de rentrer. C'est le contraire qui devrait se passer. Mais quand tu sors, tu as plutôt envie de rentrer, tu veux retourner, retrouver ta femme, tu veux retourner, retrouver tes enfants. C'est ce qui devrait être. Dans un foyer réussi, c'est ça. Quand la femme sort, elle dit, pardon, je vais retourner vite mon mari à la maison, tu vas le retrouver. Quand c'est l'homme qui sort, oh, je vais retrouver mes enfants rapidement, je veux. C'est ça le problème. Moi, je vous dis la vérité, si je n'avais pas Jemima, je serais dehors. Je serai dehors, ça veut dire que je vais à Garé faire ma campagne, Douala, je fais ma campagne, Yaoundé, je fais ma campagne, je serai de passage ici à la maison. Mais à cause d'elle, parfois je me repose, comme cette semaine j'aurais souhaité me reposer à Douala. Mais elle m'a fait un appel vidéo, là elle pleurait, elle me dit, papa tu reviens, j'ai besoin de toi, je veux te voir. Elle était triste au téléphone, elle m'a dit, je veux te voir papa. Il y a quoi? Tu me manques. Mon ami, j'ai pris la voiture le jour là, minuit. Pour rentrer, la retrouver. Pourquoi? Parce que la famille, c'est important. Ton enfant, c'est important, mon ami. Parce que tu ne dois pas donner à ton enfant les mauvaises pensées, les pensées noires que nous, on a eues vis-à-vis de nos parents qui étaient pasteurs avant nous. Hein? Pensant qu'il est devenu pasteur, c'est vraiment marginaliser sa famille et ne pas éduquer ses enfants. Non. Elle n'a que 4 ans. Mais je lui donne de l'importance. Pourquoi? C'est un être humain, c'est ma fille, elle a droit à mon attention et c'est très important pour moi. Et depuis que je suis arrivé, elle est épanouie. C'est-à-dire que Mireille même voulait l'amener à l'hôpital parce qu'elle se disait que l'enfant était malade. Mais quand elle m'a vu, Mireille, elle a dit à l'enfant que ce n'est pas possible. Donc c'est ton père qui te manquait, donc c'est ton remède. Pourquoi? Parce que l'enfant est attaché à moi. Et partout où je suis, quand elle est là, c'est qu'on ne peut pas faire les vidéos tous les jours. Elle est toujours là, elle tient du mon bras partout. Et je l'ai toujours dans mes bras. Je t'aime, mon amour. Je ne sais pas combien de je t'aime. Je lui dis par jour. Et je ne sais pas combien de je t'aime. Elle me dit par jour. Elle a 4 ans. Je ne peux pas compter. Le je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, bébé. Oh, papa. Et elle reste là. Dit, oh, papa. Elle me fait bisous. Elle fait bisous au front. Papa touche ma tête. Hein? Elle a la main sur moi. Les enfants, ils me disent que c'est comme la télé. Que c'est le film qu'ils voient. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est important de donner l'affection à nos enfants et à notre famille. Moi, mon père, nous. Nos parents, là, ce n'était pas comme ça. Hein. Moi, ma mère, c'était une militaire. C'est maintenant que Dieu l'a refroidi un peu. Avec l'âge aussi. Ma mère, mon ami, elle m'a fouetté jusqu'à les cornes sont sorties ici. Ma mère, quand elle me fouettait, le courant qu'elle prenait, c'était où on branche dans les prises là. Ça fait ça qu'elle me fouettait. Bon, c'est vrai qu'elle était aussi trop têtue. Ça fait ça. Je me souviens qu'un jour, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup, le dambou. Le dambou, c'est quoi? C'est le kosam avec le riz. Maman savait que le jour où elle prépare ça, c'est fini. Donc, quand j'ai commencé à avoir un certain âge là, où ma mère ne pouvait plus me rattraper quand elle me poursuivait, alors, quand je lui faisais quelque chose qui l'énervait, elle préparait le dambou. Le jour où on prépare le dambou, je ne joue jamais loin de la maison. Je joue toujours au football, mais autour de la maison. Et parfois, le soir, on trouve que la mamie est vide. Elle demande qui a fait. Je dis que non, moi, je joue au football. Je ne suis pas passé. Pourtant, c'est moi qui ai civilisé le dambou. Ouais. Donc, quand ma mère voulait m'attraper, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me dit, ok, tu es rentré, oui. Et ton dambou est déjà prêt.
Il y a le dambo, je crois que maman c'est où? Elle dit dans ma chambre. Et je lui dis que dans ta chambre, elle dit, depuis quand on garde le dambo dans la chambre? Elle me dit, c'est dans la chambre. Tu veux manger le dambo, tu ne veux pas manger le dambo. Je dis que je veux manger le dambo. Elle dit, ok, d'accord, va chercher ton dambo. J'entre dans la chambre, elle est en train de causer avec son ami là. J'entre vite. Je ressors pour surveiller son mouvement. Je trouve qu'elle n'a même pas mon temps. J'entre, mais je ressors encore. Je trouve qu'elle est en train de causer avec son ami. Et genre, je fouille rapidement la chambre, je ressors. Je ne vois pas le dambo. Je demande à maman que, mais j'ai dit, hein, toute la chambre, je ne vois pas le dambo chez vous. Elle dit, c'est sous le lit. Elle dit que depuis quand, c'est quel genre de dambo sous le lit? Elle dit que parce que je voulais maintenir ça chaud pour toi, mon bébé. Je dis, ok, d'accord, maman. J'entre. Je casse sous le lit, je ressors en courant. Ah, elle est là, elle n'a pas bon temps. J'entre. Maintenant, j'entre la tête sous le lit. La voiture est sous le lit. J'entends que la porte de la chambre se ferme. Bam! Je me retourne, elle tourne le courant comme ça entre ses mains. Elle dit que tu connais courir, non? Moi, j'ai la sagesse pour t'attraper. Et là, elle me civilise bien. Pourquoi? Parce que j'avais une tétuitesse terrible. 11 ans, je fumais derrière le chanvre indien. J'ai tiré le pangaï, dangereux, dangereux. On tirait la dissolution là. Voilà, l'école des roues de voiture. Donc, mais il faut comprendre que aujourd'hui, cette éducation a été bonne pour moi. C'est ça la vérité. Bon, mais le monde a changé. Beaucoup de choses ont changé. Les réalités dans lesquelles nous vivons ont changé. Donc, ma fille, elle m'exige. Non, elle m'exige. Elle t'exige que papa rentre. Qu'est-ce que tu fais? Je reviens. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit frustrée. Donc, devons donner l'importance à nos enfants. Prendre le temps pour nos enfants. Embrasse tes enfants. Dis-leur, je t'aime. Dis à ta femme, je t'aime. Les hommes de Dieu qui n'ont jamais dit à leur femme, je t'aime. Bébé, tu appelles ta femme Anastasie. Ou bien, sœur Christine. Pas de petit nom. Oh, pas de glamour dedans. Donc, le troisième signe qui te montre en tant qu'homme de Dieu, homme marié, que ton foyer est en train d'aller à la dérive, tu es en train de le détruire, de le négliger, c'est lorsque tu peux dépenser facilement dehors pour d'autres personnes, mais que tu ne peux pas dépenser pour ta femme et tes enfants. C'est dangereux. Je vous dis la vérité, mes amis, regardez. Hein. Moi, j'ai dit, on parle devant Dieu. Jésus-Christ est mon témoin. Et l'Esprit de Christ rend témoignage à ma conscience. Je ne gardais pas l'argent dans ma maison. C'est mon épouse qui gardait l'argent. Je lui faisais confiance. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner 100 000 à quelqu'un dehors, ou 100 000 à une soeur à l'église, ou à la secrétaire. Mais sa femme lui demande 20 000 à la maison, il ne peut pas sortir les 20 000. Ou l'enfant, il voit bien les babous, l'enfant dit, papa, les babous sont trouvés. Il ne peut pas sortir 1 500, je ne sais pas combien coûte les babouches, pour acheter la babouche à son enfant. Mais il peut sortir pour aider quelqu'un à l'église en plein culte. Il sort 20 000. Il dit, c'est une aide. Et les gens applaudissent. Mais les gens ne peuvent pas savoir que son enfant n'a pas les babouches pour aller à l'école. C'est un problème sérieux. Un homme de Dieu devrait dépenser plus sur sa femme et ses enfants. C'est important. Pourquoi? Parce que tu peux marcher avec des babouches, toi en tant qu'homme. Ta femme a des belles robes. Tes enfants sont bien vêtus. Ta gloire, c'est ta femme et tes enfants. Lorsque les gens verront ta femme et tes enfants, on dirait que tu es un vrai homme. C'est ça la vérité. Parce que la femme, la famille, c'est la gloire de l'homme. Ta famille, c'est ta gloire. D'un homme responsable doit préférer marcher pieds nus et acheter les chaussures à sa femme et à ses enfants. Un homme responsable doit préférer marcher dévêtu pour vêtir sa femme et ses enfants. Parce que se marier, être père de famille, c'est un terme lourd de sens. C'est une grande responsabilité, il faut la porter. Ta femme doit être prioritaire par rapport à toi-même. Tes enfants doivent être prioritaires par rapport à toi-même. C'est ça la vérité. Donc, mais si vous ne le faites pas, vous êtes prêt à dépenser pour les autres, plus que pour votre famille. Mon ami, vous êtes en train de détruire votre mariage sans le savoir. Le quatrième signe, si vous êtes plus gentil dehors qu'envers votre maison, vous êtes en train de détruire votre mariage. C'est-à-dire que si à la maison, on ne vous ressent pas, on ne vous connaît pas comme une personne de gentille, d'accessible, alors il y a un problème. Il y a un problème. Donc il y a des maris qui sont à la maison des terroristes, des kamikazes, des moudjahidines, des ambazoniens. Mais dehors, les gars, on le connaît comme papa gentil. Le gars est gentil envers tout le monde. Non, on dit qu'il y a gentil comme l'homme s'il n'y a pas. Pourtant, à la maison, le monsieur,
Ses enfants ne peuvent pas jouer avec lui. Ne peuvent pas plaisanter avec lui. Mais il plaisante avec les enfants de la voisine. Et les enfants se tiennent, regardent comme ça, disent, ouais, c'est notre père ou bien c'est son sosie. On rêve ou bien c'est la réalité. On aimerait nous aussi jouer avec notre père comme les enfants de la voisine jouent. Donc tu ne peux pas paraître gentil dehors, tandis que dans ta propre maison, tu es un lion. Tandis que tu déchires tout. Tu déchires ta femme, tu déchires tes enfants, tu dévores ta femme, tu dévores tes enfants, mais dehors tu es un agneau. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Ça montre que ton foyer est en train d'être détruit. Or, avant d'être gentil dehors, sois gentil dedans. Avant d'être gentil avec les étrangers, sois d'abord gentil envers ta femme et envers tes enfants. Ça, c'est la première chose. C'est ta priorité. Tu veux montrer que tu es gentil, sois gentil avec ta femme. Joue avec elle. Plaisante avec elle. Tiens-la dans tes bras. Embrasse-la. Serre-la dans tes bras. Murmure-lui à l'oreille des paroles doucereuses. Chante-lui une ballade légère. Souffle sur son cou, comme s'il s'agissait d'une brise légère. Dis-lui des mots d'amour. Invente des poésies pour elle. Parle-lui en strophe et en paragraphe. Parle-lui en vers et en rime. Parle-lui en rime croisée, en rime embrassée ou en rime plate. Dans tous les cas, exprime ton amour envers ta femme. Ne dis pas que non, mon amour, je l'exprime d'une autre manière. Il n'y a pas plusieurs façons d'exprimer l'amour. L'amour s'exprime en parole et en acte. Il n'y a pas d'expression d'amour dans le cœur. Il n'y a pas d'expression d'amour invisible. Quand on aime, on parle et on agit. Donc, parle et agis. Aime en parole, aime en action. Embrasse ta femme, embrasse tes enfants, joue avec tes enfants, plaisante avec eux. À la maison, joue au baby foot, joue, je ne sais pas, à la Xbox, joue au billes, fais tout, fais des randonnées, allez à la chasse ensemble, allez au restaurant ensemble. Les hommes de Dieu doivent avoir cette culture, c'est importantissime. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est un con. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est un villageois. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est plein d'hommes. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'est pas éduqué. Non, au contraire, nous sommes la lumière du monde. Oumeis est tofos tos cosmos. Vous êtes la lumière du monde. Oumeis est tes alas tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Voilà les paroles de notre Seigneur Jésus. Les hommes de Dieu, beaucoup ne sont pas romantiques. Tu prends la violence des démons pour amener ça dans ta maison. Tu parles à ta femme comme si c'est les démons que tu chassais. Comme si tu étais en face du Gadaranéen. Non, sincèrement. C'est un problème sérieux. Non. Sois violent contre les démons, mais sois doux envers ta femme et envers tes enfants. Sois doux. Sois doux, mon ami. Bon, ça va. Cinquième signe qui montre que, homme de Dieu, ton foyer est en train d'être détruit. Lorsque tu n'as pas de temps d'intimité avec ta femme et avec tes enfants. Si tu n'as pas de temps d'intimité avec ta femme et avec tes enfants, c'est dangereux. Le temps d'intimité, c'est quoi avec ta femme? Normalement, tes enfants l'amènent le week-end. Certains week-ends ne doivent pas passer ça à la maison avec vous. Vous les envoyez par exemple chez Mémo, chez Pépé ou chez Papy. Tu restes seul avec ta femme. Juste vous amusez là, vous. Il ne faut pas que je dise des choses ici après qui vont scandaliser certaines personnes, certaines âmes sensibles. Vous restez là entre vous, vous faites une journée. Vous voyez, vous comprenez. Voilà. Donc vous êtes bien. En voulant, c'est bien, comme ça c'est masqué. Donc, tu prends sa possession à la maison. Tu prends ta femme dans ses bras. Dans tes bras. Tu l'embrasses, tu vois. Vous causez, vous êtes dans le canapé, vous êtes dans la chambre, vous êtes au salon. Si vous avez un salon, si vous n'avez pas un salon, dans votre petite chambre là-bas, vous pouvez faire de grandes choses là-bas. Vous voyez. Vous la rendez heureuse. Vous lui dites qu'elle est belle. Elle est belle. Dis-lui qu'elle est belle. Hein? Même si au fil du temps, il y a des modifications. En fait, votre amour s'adapte à ces modifications-là. Commencez par les modifications. Dis-lui que c'est la vague de ta beauté. C'est ça que j'aime. Pas que tu demandes à ta femme que je dis, c'est quoi? C'est quoi non? Oh, c'est quoi on est où là? Oh, c'est quoi avec tes seins? Quand tu la prenais là, quand c'était comme ça, ça priait matin, midi, soir là, tu ne savais pas qu'un jour ça va rendre là. C'est là-bas que tu dois commencer bien aimé. Tu dois l'aimer comme ça. Tu ne peux pas dire à ta femme, tu la frustres, elle a des vergetures, et tu commences à l'insulter, regarde même comment elle a les vergetures. Mon ami, méfie-toi. Toi, ton corps est parfait. Toi, moi, on te regarde, mais tes pieds sont X comme à part ici. Mami a vu, elle m'a vu mes pieds X comme ça. Là, tu marches, les genoux combattent. Ça dit que c'est Esaü et Jacob. Elle m'a aimé comme ça. Elle n'a jamais, elle pouvait parfois se moquer de moi, m'en plaisantant, que mon mari. J'ai dit que toi, regarde tes pieds arqués. Et elle dit que, oh, avec tes pieds X.
J'ai dit que c'est X ou Y. Vous voyez, on joue. C'est important de le faire. C'est très important et capital. Tu l'apprends. Mais tu ne peux pas venir insulter ta femme à cause de défauts corporels. En accouchant, il faut savoir que ta femme va changer. Toute femme en accouchant, il y avait les années, ta femme va changer. C'est-à-dire la métamorphose physiologique et physionomique de la femme, elle est plus rapide que celle de l'homme. Donc tu dois apprendre à t'adapter aux métamorphoses corporelles de ta femme et à les aimer. Tu dois cibler ces métamorphoses-là qui peuvent frustrer ta femme et tu les aimes. C'est là que tu concentres l'amour. C'est-à-dire un concentré d'amour dans ces métamorphoses négatives qui sont négatives pour elle. Tu lui montres que c'est même ça alors que c'est même maintenant là que tu l'aimes. Qu'avant même vraiment tu ne l'aimais pas vrai, vrai. Que c'est même maintenant qu'il y a les végétules là. Et la nuit, c'est même pas les végétules que tu commences. Tu portes ta telle main sur les végétules pour qu'elle ait confiance en elle-même. Elle a accouché, ok, d'accord. Maintenant, son ventre a débordé les pays limitrophes. Et là, ça pose un problème. Et pour elle, c'est un problème dans son esprit. Hein? Son ventre a repoussé les bornes. Et tu ne vas pas lui dire avec ton ventre, même, regarde, on ne sait même plus, regarde, ça a débordé les frontières. Ton ventre a dépassé la frontière, comment? Comment un ventre peut être au Cameroun, même temps au Nigeria? Non, mon ami, on ne fait pas ça. Tu ne frustres pas ton épouse. Dis-lui que, ah, vraiment, maintenant, c'est même à l'étranger, là où ton ventre est passé, là, c'est là-bas que l'on va vivre. C'est là-bas que j'aime. Et c'est là-bas. C'est son ventre que tu caresses. Dis-lui que tu aimes son ventre. Et sois sincère. Ne dis pas ça tout simplement parce que tu veux l'enjoler. Non. Dis-le parce que tu y crois vraiment. Donc, tu dois aimer les défauts corporels de ta femme. Ton amour commence d'abord par là. C'est ça, la réalité. Quand tu l'as pris, elle était comme le crayon. Maintenant, elle est comme la bouteille de la Beaufort. Mon ami, tu ne vas pas lui dire que non, vraiment, regarde comment tu t'es transformé. Non, tu es pour quelque chose dans sa transformation. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Fais en sorte que ta femme ne perde jamais confiance en elle-même. Ne lui dis pas qu'elle est bête. Ne lui dis pas qu'elle manque d'intelligence. Non, ne lui dis pas qu'elle ne connaît rien. Ne lui dis pas qu'elle ne fout rien. Ne lui dis pas qu'elle ne contribue en rien à votre bonheur. C'est des graves erreurs que des hommes de Dieu ont eu à commettre et qui ont détruit la conscience de leur femme, qui ont blessé l'amour-propre de leurs épouses, et celles-ci finalement commençaient à perdre confiance en elles-mêmes, et elles n'étaient plus des femmes, mais elles étaient devenues des zombies. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce soit notre partage. Que la main de Dieu nous aide à prendre soin de nos maisons. Que le ministère ne soit pas notre dernier tombeau, mais que le ministère puisse avoir sa place et que nos familles aient leur place. Je prie que cette grâce vous soit donnée, que la sagesse de Holiab et de Bessaléel vous soit abondamment accordée. Je bénis ta journée au nom souverain de Jésus. Que Dieu te donne les désirs de ton cœur en cette journée et que tes ennemis deviennent ton marchepied dans le nom de Jésus. Amen. Celui qui envoie le cœur ou le pouce bleu a dit Amen. Et cette prophétie l'accompagne au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h à la Bire, ici en Kouaban, à Yaoundé. Nous serons ensemble. Que Dieu te bénisse. Et je t'aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. On se reverra certainement la semaine prochaine, lundi, non, mardi, dès qu'il sera 10h. Allez, ciao!